L'idée, c'était de consulter des élus quand même, de consulter des usagers, des associations d'usagers, des riverains, une bonne vingtaine de personnes en tout qui ont travaillé toute la journée autour de plusieurs ateliers, sur place et également ici à l'abbaye de Saint-Riquier. Le conseil départemental a voté, dans le cadre de son schéma départemental cyclable, que la traverse du Pontieux serait une voie utilitaire, c'est-à-dire un trajet du quotidien. Mais à côté de ça, c'est bien de pouvoir s'inspirer de ceux qui pratiquent, ceux qui y habitent, c'est bien de les associer à notre projet. Je pense que c'est un peu l'objectif et c'est comme ça qu'on veut travailler au département. On a fait des choix sur le revêtement notamment, qui est de l'enrobé. Ça, c'était un choix quasi indiscutable. Mais en revanche, sur la deuxième phase d'aménagement, là, tout est ouvert et on va forcément s'inspirer des travaux qui ont lieu aujourd'hui. Je suis un usager régulier, j'étais un usager encore plus régulier avant pour le travail et puis maintenant plus pour le loisir avec mes enfants ou pour faire une sortie en vélo ou en courant. Alors j'ai entendu parler du comité d'usagers et donc comme je suis un usager assez régulier, j'ai voulu y participer et puis pour pouvoir échanger avec les élus, les associations, donner quelques pistes d'amélioration sur la signalétique, les connexions avec les communes pour sécuriser aussi l'accès des vélos à la traverse du Pontieux et l'accès piéton.